Mort par étouffement. Quelle fin pathétique, monsieur le sénateur. Vous aviez habitué à mieux. Oula, très bien. Pour rendre ce moment un peu plus agréable, je vais vous parler d'une autre mort pathétique. C'est à vous que je parle, hein. Pas à lui, voyons. Pulp Fiction, le second long métrage de Quentin Tarantino. Avec ses dialogues cultes, son montage déconcertant et ses musiques percutantes, le film fera l'effet d'une bombe dans le paysage cinématographique, créant immédiatement le mythe Tarantino. Mythe renforcé par la Palme d'Or, remportée à Cannes la même année. Pulp Fiction. Pulp Fiction de l'américain Quentin Tarantino. Ok, Clint Eastwood était président du jury, mais c'était quand même bien mérité. Vincent Vega est le personnage central du film. Un homme de main toxicomane à la gâchette facile. Si ce personnage est aussi intéressant, c'est surtout grâce au choix de Travolta pour le casting. Le film sort dans les années 90, la carrière du comédien est alors dans le creux. Personne n'aurait pensé à lui pour un tel rôle. Un coup de génie de la part du réalisateur, fan de Travolta dans sa jeunesse. Ah, Grise, on savait danser à l'époque. Un choix difficile à justifier, qu'il a dû imposer à ses producteurs, allant même jusqu'à menacer de confier le projet à leurs concurrents. Quand on sait tout le mal que Tarantino s'est donné pour avoir Travolta dans son film, on peut s'étonner de la mort pathétique qu'il lui a infligée. Nous sommes au milieu du film. Nous suivons Butch, un boxeur recherché par Marcellus Wallace, un caïd pour lequel travaille Vincent Vega. Butch retourne chez lui afin de récupérer sa précieuse montre en or, prenant ainsi le risque de tomber dans une embuscade. Après avoir fait le tour de la maison et s'être assuré qu'elle est vide, il se met à l'aise au point de se faire griller quelques toasts. Mais son regard se pose sur une arme. Il comprend alors qu'il n'est pas seul. Butch abat Vincent Vega, qui s'effondre sans pouvoir se défendre. Une mort pour le moins surprenante, car non seulement Tarantino tue le comédien pour lequel il s'est tant battu, mais il lui offre également, en guise de revival, une mort aussi percutante que pathétique. Et si justement c'était là tout le génie du film ? Dans la réalité, aucun gangster n'a la garantie de vivre une mort spectaculaire. Pourquoi serait-ce le cas au cinéma? Quand on y regarde de plus près, plusieurs ingrédients nous interpellent dans cette scène. Les toasts, l'ambiance sonore, les toilettes. Les personnages sont comme rattrapés par la réalité. Peut-être qu'avec Pulp Fiction, on n'est plus tout à fait dans la fiction. La mort de Vincent Vega s'inscrit dans une démarche plus globale de la part du réalisateur. Il nous montre des gangsters teintés de banalité, qui parlent d'hamburgers, vont aux toilettes, débattent de ragots ou portent des shorts. Un traitement scénaristique proche du documentaire, tant on a le sentiment d'être plongé dans leur quotidien. On assiste là à une incursion du réel dans la fiction. Une fiction appauvrie. Une pulp fiction. Jusqu'ici, au cinéma, les gangsters étaient montrés comme des icônes intouchables, glorifiés malgré leurs mains pleines de sang. Le cinéma américain s'est permis d'idéaliser des anti-héros car ils ont contribué à bâtir l'Amérique. Dans Pulp Fiction, Tarantino remet les gangsters à leur place. Il nous rappelle que ce sont des gens comme tout le monde, soumis aux dures lois de la réalité. Un traitement réaliste, proche du cinéma européen, qui lui ouvrira les portes de Cannes et lui permettra de remporter la Palme d'Or. Avec la mort de Vincent Vega, Tarantino détruit le mythe du gangster, mais crée le mythe Tarantino. Mais si les gangsters sont des gens comme tout le monde peut devenir gangster. Parmi les incursions les plus mémorables du réel dans la fiction, Breaking Bad, l'épopée tonitruante d'un homme banal dans le milieu de la drogue. La mort de Vincent Vega, c'est un peu la naissance de Walter White. Et voilà l'arme du crime. Il faut croire, monsieur le sénateur, que votre immunité ne vous protégeait pas d'un banal bretzel. Voilà. À bientôt. Et souvenez-vous, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.